Je pense que les bénéficiaires vont être reçus dans vraiment de très bonnes conditions. On a tout fait pour que les bénévoles vont travailler dans de bonnes conditions aussi, ce qui est important, dans un endroit agréable, ce qui est quand même aussi important quand on passe de nombreuses heures de bénévolat. Je remercie les bénévoles qui nous ont beaucoup aidés, les bénévoles de Corbeil, pour dresser cet apéritif. Et je vais passer la parole à Bernard qui nous donne juste quelques chiffres pour que l'on se rende compte de l'aperçu de l'année dernière des personnes reçues sur le centre de Corbeil. Peut-être quelques mots. Merci aussi à toutes et à tous d'être venus assister à cette inauguration. Alors, le centre de Corbeil, en quelques chiffres, c'est avant tout, et on travaille pour des bénéficiaires, c'est 737 familles en 2009-2010 contre 633 familles en 2008-2009 et 682 familles en 2007-2008. Donc il y a eu un petit creux l'année dernière, on est atypique par rapport aux autres centres, il faut savoir que normalement l'année dernière et l'année d'avant, 2008-2009, c'était une grande augmentation dans tous les centres de Resto du Cœur. À Corbeil, on a baissé un tout petit peu, mais cette année, on a à nouveau une demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte de personnes qui viennent. Donc, 737 familles, et c'est aussi 10 tonnes de produits que l'on distribue par semaine. 10 tonnes de produits, c'est des conserves, des pâtes, mais aussi des surgelés, des produits frais, des légumes, du lait. Donc ça nécessite pas mal de monde, une grande logistique. Et cette logistique a bien assurée par une soixantaine de bénévoles qui assurent ce service aux bénéficiaires. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour servir les bénéficiaires. Et enfin, nous avons un outil, je crois qu'il va être formidable, qui va nous permettre d'accueillir les gens dans de très très bonnes conditions. Et je remercie la présidente. Le réseau du cœur de nous avoir doté de cet outil et j'espère qu'on sera digne de cet outil. Merci aux élus aussi.